j'ai 19 ans et je fais du golf depuis 12 ans en valide et depuis 2 ans en Andy. J'avais la niaque, comme on dit, pour pouvoir faire quelque chose. Et c'était une obsession un peu pour moi de trouver une activité sportive dans le domaine du handicap. Et en fait, ça a été très compliqué. J'ai toujours adoré le golf et même si petit à petit, je me suis rendu compte, parce que vu que ma maladie est évolutive, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de difficultés, mais j'avais de plus en plus de plaisir à jouer. Donc. Il n'y a aucune limite, tout est adaptable. Par exemple, je ne pensais pas, le paragolfeur, c'est un truc, enfin, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, chercher, il y a toujours des solutions. Alors, ça a été une grande découverte, hein, parce que, en fait, le golf, je ne le connaissais pas du tout. Moi, j'étais plutôt cycliste. Et ça m'a apporté un peu de confiance et puis une belle découverte dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de qualités qui étaient réunies dans le golf. Et justement, dans les sensibilisations, ça m'arrive d'en parler parce que pour des personnes, par exemple, qui sont en situation d'handicap psychique, eh ben, ça peut énormément les aider pour la concentration, pour la confiance en soi, pour se placer dans l'environnement, tenir compte de tout ce qui se passe autour. Je joue sur une jambe et comme je suis droitier et que j'ai ma jambe gauche, j'ai une contrainte pour pouvoir me laisser emporter lors de mon swing. C'est une énorme leçon, on le savait, mais c'est confirmé puissance 1000. Alors je pourrais citer 1000 exemples et je vais en citer un. Il y a un paragolfeur. En fait, on lui avait prévu un cadet de l'école de golf. On a 150 jeunes à l'école de golf. Et il vient me voir, il me dit « Emmanuel, est-ce que je peux pas avoir un adulte ? Parce que voilà, je le sens pas bien, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'aide, hein, parce que les paragolfeurs, c'est compliqué. C'est plus que cadet, c'est faut vraiment les aider. » Je lui ai dit « Écoute, si tu as un problème, tu m'appelles, je te donne mon numéro de portable, mais je fais entière confiance à Alice et je pense que ça va aller. » À la fin de la journée, par hasard, je l'ai recroisé au trou numéro 15. Ben ce paragolfeur, il est venu me voir, il me dit « Emmanuel, est-ce que demain je peux garder Alice comme cadet ?» Donc j'étais tellement ému quoi. J'aimerais créer une compétition Andy Golf, un peu comme celle-là, avec au début un Andy valide pour pouvoir surtout montrer ben, le Andy sport aux valides surtout, et aussi après faire des démonstrations pour montrer aux hôpitaux autour comme c'est faisable. Alors moi, mon objectif, c'est toujours le même, c'est d'abord de trouver du plaisir. D'éventuellement pouvoir servir d'exemple, de dire voilà, on peut le faire. J'ai 63 ans aujourd'hui, j'ai commencé il y a 10 ans, je peux vous dire que j'ai pensé bien des fois, je dis mais Jean-Yves, c'est pas fait pour toi. Puis tout d'un coup, il y a un petit déclic, on avance d'un pas, quelque chose qui se passe. Ah, bon, ça vaut peut-être le coup de continuer. Et puis petit à petit, on arrive à ça. Et je dois dire que ben, aujourd'hui, je m'épanouis vraiment dans ce sport et puis on fait des belles rencontres. Ça nous donne de l'énergie pour les 10 ans à venir. Honnêtement, c'est le plus bel événement qu'on ait jamais organisé. Ça a mobilisé toute une communauté. Et je vais juste citer un exemple, c'est les hôtes. Une dizaine de bénévoles ont reçu chez eux les handigolfeurs, gratuitement évidemment. Et ça, c'est juste un exemple extraordinaire. Et je pense d'ailleurs que ça fera jurisprudence et qu'il y aura d'autres Open de France Paragolf où il y aura ce bénévolat proposé chez les hôtes. En fait, plus tard, j'aimerais beaucoup créer une boutique de matériel de sport handi, de demander à des personnes handi qui viennent, tiens, j'ai ça comme problème et j'aimerais faire ça. Et moi, je peux leur dire, bah, on peut te mettre ça en place et même si tu as l'impression que ce sport-là, il n'est pas très adapté à toi, je peux quand même créer des choses qui vont te rendre ça possible. Qu'il n'y ait pas de limite, quoi, que personne ne puisse se dire, je ne peux pas faire ça parce que... Si j'avais un message à faire passer pour les personnes qui sont ou qui se retrouvent en situation d'handicap, déjà d'essayer de découvrir. De ne pas partir sur des idées reçues pour peut-être se rassurer. Ne pas avoir peur quoi, de venir à la rencontre et de voir éventuellement si ça peut correspondre à leurs recherches et les aider à se resocialiser ou à avancer dans la vie. Quoi. Leur handicap nous ramène notre juste place. Voilà, en fait, la vie, je pense qu'il faut beaucoup de volonté, beaucoup de challenge et énormément d'humilité. C'est un petit peu la leçon de l'Open de France Paragolf ici à Mérigny. Avec un score cumulé de -4 sur les deux tours et de partager au playoff, M. Charles-Henri Quélin.